la bouffe. Et à 3,5 kg, c'est le plus lourd du sac. On ne peut pas économiser. Ah ben le sac, ça fait plus de 2 mois qu'il est à moitié prêt. Mais là, on a toujours peur d'oublier quelque chose, alors on étale tout par terre, on repart à zéro avec la liste et on pointe, parce que maintenant on a le contrôle. Il ne faut pas qu'on se prenne une pénalité ou une amende parce qu'on a oublié quelque chose. J'ai ajouté une sacoche là-haut. Là, j'ai la gamelle, les réchauds. Il y a une technique qui est simple, mais enfin, il faut l'appliquer. C'est qu'il soit équilibré. Pour ça, on va commencer par mettre le plus léger en bas et le plus lourd près de la nuque, de façon à ce que ça ne tire pas trop sur les bretelles. Parce que quand on fait des longs trajets dans les dunes, ça tire. Hein. Voilà, une fois que le sac est bien équilibré, il n'y a pas de problème. Hein. Le mien, il fait 8 kg sans l'eau. Donc ça va me faire, je vais avoir au départ, demain matin, 9,5 kg. Je vais essayer de manger le maximum le premier jour pour alléger la nourriture. Elle fait 3,5 kg. Hein. Moi, j'ai un sac de 7 kg, 7,3 kg. Je suis passé de tout confort. On met ça de côté et on profite de la course. Si j'avais eu de la place, j'aurais mis une paire de jambes plus neuves. Mais malheureusement, je ne peux pas les mettre. Je vais faire avec les miennes. Ok, super. On est prêts vivement demain.